VOD, il y a une cinématique, on est sur Uncharted, j'ai pas eu le temps. La VOD d'Uncharted. Ouais, il y a une cinématique. Je me suis dit que j'allais te lancer direct et montrer mon perso. Je mets plus fort. Là, c'est un peu bas. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other. Mince. Their thirst. Madame fait de la SMR. Ah bah, on est sur de la narration, ouais. For a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Oui, oui, ça marche. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas plusieurs créatures. Genre on voit que c'est un monde un peu féerique, machin, ça aurait été cool. Ça dégoûte. Ouais, c'est ça, tout à fait hanté. Bonjour FOD. Désolé, je voulais vous montrer quand même l'intro. Je découvre Uncharted, je suis avec Guide. Voilà. Et vous allez découvrir mon perso, attention le reveal. Attention mon perso face reveal. Ouais, vous avez pas pu dire bonjour à la VOD, attendez. Vous allez pouvoir lui dire bonjour. Attendez. J'aurais trouvé le chat. Voilà. Attention, je vous... Voilà. Je poucave tout ce que vous racontez. POD toujours pas dans le chat. Ah mais si je vous mets là... J'en veux des... Qu'est-ce que tu fais? Ah mince, mon chat disait bonjour à la VOD. C'est bon, j'ai caché, vous pouvez redire des trucs bizarres. Voici mon perso. La VOD. Merci pour le sub offert, Master Girl. Bonjour Dailymotion. Et merci pour les bits. Pardon. J'aurais pu continuer à être mute pour dire ça. Merci pour les bits. Coucou. T'as vu, on est des hobbits. Mais ouais, c'est, on a des... Oui, c'est vrai qu'on a vraiment un style de hobbit. Bah, on a des petits gens. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ah ouais, c'est vrai, mon torse est immense par rapport à mes jambes. Enfin, c'est la même taille, quoi, en fait. Attendez, je mesure. Tu mesures quoi, en vrai? Oui. Je pense que quand même... Tu m'as dit que je faisais 1m70, je sais pas combien. Ah ouais, non, je mesure le perso. Ah oui, d'accord. Genre, tête au bassin, là. Sur mon écran, on est à, genre, 6,7 cm. Ah, on est un peu plus, on est à... Ah non, ça zoom! Arrête, c'est pas marrant! Le jeu, il zoom, vas-y, dégoûte. Bref. Non, moi, j'ai des grandes jambes et j'ai un petit torse. Moi, je suis bizarre, un peu. Donc, c'est inconnu dans son chat. Ah ouais? En vrai, t'as des grandes jambes et un petit torse. Oui. Dans ma vraie vie. Bah, chez les filles, c'est pas mal, ça, non? Ah oui, mais c'est... Oui. J'ai des petits bras, quoi. J'ai des petits bras. C'est vrai, j'ai des petits bras. Un T-Rex, la meuf. J'aime trop. T'as des pieds super gros. Ah oui, c'est vrai qu'on a des grands pieds. Pardon. En fait, tout le monde attend. Oh, mais c'est joli un peu. Aussi, mais du coup, j'ai gardé. Ouais, regardez, il a. Vas-y. Il a trop cheaté. Oh. Ah, c'est joli un peu. Ah, c'est joli. Je me rappelle plus comment. Ah oui. Oh, il y a un cadavre. C'est moins joli. La lumière pure engloutie de savoir de la race ancienne la protège dans un noyau enflammé, une sagesse qui dépasse de loin mon imagination. Je pourrais fixer le feu pendant des heures à la recherche de réponses, d'un murmure, mais je n'entends rien. Bien qu'elle possède une voix, elle ne parle qu'à ceux qui sont nés de la flamme. C'est dommage car je pense que nous pourrions avoir des conversations très instructives. C'est trop ballot, elle t'a mis en vue. Loser. Alors faut pas tomber hein, sinon tu vas décéder tout de suite. Ah j'allais tester tu vois. Ah non. J'allais totalement tester. Toujours le premier truc à faire. Vas-y. Attends, faut que j'appuie sur 1. Alors sur ouais, t'as les... Inventaire. T'as les roulades à la soul like.
sert quand même contre les ennemis et tout ça. Ça doit faire mal à mon épaule. En bas, t'as une barre de, d'inventaire Minecraft style et compagnie. Et quand t'appuies sur Alt, t'en as une deuxième. T'en as deux. Ah oui, ok, oui. Tu peux switcher de l'une à l'autre, c'est assez pratique. Et sinon, bah. J'ai dû chercher sur mon clavier la touche Alt. J'ai essayé de faire tap machinalement et Shift et j'étais en mode. Mais non, c'est pas ça, ah, c'est ça, Alt. Alors, je pense. Parce que ça, c'est une vraie game complète, hein. C'est juste qu'il n'y a que moi, mon personnage. Mais parce que c'est juste que j'ai pas changé de personnage pour démarrer. Bah, moi, je prends un coffre. C'est peut-être ce que je devrais faire, en fait. Ah, oh bah, bravo. Parce tu veux, que tu veux qu'on recommence le même en fait. Vas-y. Si tu veux. Toi, toi t'auras pas à refaire ton, ton perso. Moi j'aurais pas à refaire, ouais. Et moi okay. Je vais en refaire un en deux secondes histoire de. Il m'a déconnecté. Je sais pas. Alors attends, je pense que c'est. Voilà ici. Ah, tu peux faire modifier. Mon personnage, je prends. Un de base. Ah ouais, je vais mesurer, tiens. Un yeuve. Un yeuve. Ouais. Ok. Ok. 12 le torse là et 18 les jambes. Et du coup le bras. Un peu plus de 11 cm le bras. Par rapport à ce qu'on voit là. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? N'est-ce pas ? Le personnage. N'est-ce pas ? Vas-y go. Un tiers, deux tiers. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Ah putain, ouais, mais du coup, il me remet l'intro aussi. Et oui, what ? Elle est vraiment pas longue. Les illustrations sont très belles. Hein, sur... Oui, oui, c'est joli. Le jeu, il est joli. Le perso est bien souhaité sur ses appuis. Mais vous savez qu'il paraît... Ah déjà, vous savez qu'il paraît que... Attendez, le... Il paraît que je crois la taille de votre pied, ça fait un truc du style... Il y a un ratio je crois avec la jambe. Non, tu l'es 45 et demi. S'il y a besoin d'avoir des ratios avec autre chose. Non, je sais plus, attendez, je cherche... J'avais pas un ratio avec le pied. J'aurais fait... Non mais j'avoue, ça va pas, ses pieds sont vachement gros par rapport à son mollet. Ah, je vais rejoindre. Ça aurait été mieux que non. Hein. La brume, un brouillard maléfique qui ne cherchait qu'à s'étendre et tout dévorer. Leur chute était inévitable. Alors les humains se sont unis aux anciens pour forger le sang de flamme. Moi, c'est pas bon. La taille du pied, c'est la. Du coup, ouais, toi, c'est considère ça. Que t'as déjà regardé l'intro. Ouais. Moi, c'est pas. Franchement, du coup, de poignet, pas vraiment. Ah ouais, merci pour les multisims. Pour vous, est-ce que votre pied il correspond à la taille de votre avant-bois du coup de poignet ? Moi, non. Moi, mon pied est plus petit. Je suis mal foutu alors. Ouais, moi aussi. Comment tu mets ton pied là ? Mon équipement. Mon précieux équipement. Si, si. Il est sur mon bureau depuis tout à l'heure, en fait, mon pied. On le voit pas. Oh, je veux... Oh ! Hé, t'es vieux ! Et toi, t'as une moustache. Ouais, on est trop originaux. On va pouvoir faire un film Netflix. Du coup, c'est à refermer. On est des monstres, mais oui. Des monstres, mais attendez, il y a des gens qui ont cette dégaine-là en vrai. Mais non. Non, on parlait du fait du ratio pied-coude. Enfin, bref, on a mesuré et je pense que... Je pense que cette info, elle est pas tout à fait vraie. C'est peut-être oui, juste un repère. Comme tout ce genre de trucs, hein, comme la taille des mains par rapport à autre chose. Bah, taille des mains par rapport au visage, c'est un peu vrai quand même. Ah non, j'ai une petite main. J'ai des très grandes mains. Ah, j'ai une petite main, regardez, j'arrive pas en haut de mon front. Ah, je joue avec une personne un peu spéciale. Quoi, vous avez pas eu cette conversation quand t'as découvert avec Jules ? De la flamme et je n'y crois pas. Je suis confortablement installé, j'ai pas envie de me tordre, monsieur. T'as pu vérifier une info ? La taille des pieds, c'est révélateur. Comme j'ai dit, je fais du 45. Ouais. Je sais pas dans quel sens c'est révélateur. Moi, franchement, j'ai le taille. Mon pied, c'est la même taille que ma bite. Perso. Ah ouais ? Ah merde.
Et je crois qu'ici, on va avoir tous les deux droit à une arme, je crois. Ouais. Attends, moi, je prends déjà du loot ici. Je te vole du loot. Hein? Ah, mais... C'est peut-être là-bas. Attends, t'as pas deux armes. J'ai deux torches. Bon, ça va, j'en ai récupéré une aussi. Mais je comptais de toute façon les garder les deux. Je peux... Stalker, ouais. Il y a du PVP? Lui, non, faire je pense pas. Ouais, c'est bizarre. Là. Oh, ça s'est allumé. Est-ce qu'il y a du friendly fire, tu vois? Oui. Moi, je connais. Est-ce qu'il y a du feu de l'amitié? Du feu de l'amitié? Je sais plus, honnêtement. Je crois que non, j'ai essayé. C'est un petit truc en plus quand même. Oh, c'est beau. Ouais, mais vu que là il y a des, quand même des batailles. Ouais. Peut-être que c'est vrai, c'est vrai. Ça serait un peu dangereux. Une retorche. Oui. J'en ai déjà deux, c'est la bon. La flamme vous permet de résister à la brume. Ah, d'accord. Oui, c'est quand on tient une torche. Ça a l'air de. D'améliorer un petit peu la brume. Voilà, tu vois que quand on rentre dans la brume, on est embrumé. Oui, j'ai jeté ma torche. Non, c'est bon. Et tu vois en haut, t'as un compteur. Ah, un compteur d'embrume. Oh. Oh là, ça va de plus en plus vite. Oui. Donc là, oui. Tu vois, quand tu fais tape, tu peux lock un ennemi. Ou ne pas faire tape, comme tu veux. Merde, je suis jeté ma torche, j'ai pas jeté, j'ai trompé. Oh toi, tiens. Vas-y, tiens, il y en a qui courtrouillent ici. Mais t'en auras peut-être une aussi. Oui. Tissu. Sport, brume, de brume. Une énergie étrange, elle semble instable pour l'instant. Super, j'ai trouvé des électrons. Des électrons. Des électrons. Si c'est pas, ça me fait penser à ça. J'ai pas pris? Mais si, mais prends! Tout prendre! Ah, ça doit être F et pas E, j'ai spammé. Tu fais espace. Tu fais E et espace. Ok. De toute façon, là, c'est juste le petit passage du tout pour la sortir. Oh, j'ai tapé un caillou! Hop, il y a un petit checkpoint. Et ta vie plus un autre. Oh, j'ai débloqué, on a débloqué un truc! C'est un checkpoint. Ok. Et donc là, on est ressorti du brouillard, tu vois qu'on est en zone non brouillardeuse, on est pas dans l'extérieur. Oui. Là, il y a un petit village. Ah, il y a pas de... J'ai essayé d'avoir une parabole. Et si, il y en a une. On n'a pas encore. Mais je crois qu'on a tous les deux appris à la crafter dès l'intérieur. C'était un truc à lire. Journal du capitaine. Ramasser. J'ai de la ficelle. Oh oui, faut faire tout le camp. Tiens. Ouais, encore de la ficelle. Moi je tape tout. Oh ouais, on peut taper les morts. Tiens. Moi j'aime bien parce qu'ils se défendent vachement moins bien que les autres. Ils se défendent pas tant que ça. Un niveau 2. Abri confort niveau 4 et chaleur. Ah, on a un peu froid peut-être. Est-ce que c'est équipé d'un bouclier et d'une arme de mêlée? Appuyez sur un bouton bizarre pour bloquer. Atteignez les plaines. Et tu vois que là on a une quête, c'est atteindre la plaine déjà. Et si t'appuies sur M, enfin le M américain, donc à droite de N. Virgule. T'as un marqueur. Ok. On a un endroit où aller. Mais ça va, c'est indiqué sur la boussole. Oui, voilà. Oui. Oh, ça va, il n'y a pas trop de dégâts tute. Je te recontacte, tu m'as dit. Ça, on peut péter aussi. Tu peux péter les trucs pour avoir du loot. Ouais, j'avais déjà vu ça. Là, ouais. Tiens, les armes, tiens. Oh ouais, ça a marché, je pensais pas que ça marcherait. Si, ça marche. Pas avec l'arme par contre parce que ça la pousse. Ouais, j'ai vu.
C'est bien que j'ai deux torches du coup. Ouais. Oh. Comment je vais boxer tous les meubles. T'es VIP sur une chaise. Et tu vois par exemple t'as des petites zones comme là qui sont embrumées alors qu'elles sont par exemple là dans le village même quoi. Elles pètent tout le matériel. Ouais, dans ta gueule de cible. J'ai crit la cible. Ça marche pas. En même temps, si c'est pour si c'est un truc pour taper dedans en permanence, peut-être que ça va pas marcher quoi. Ouais. Oh, tu es embrumé ? Ouais, je suis embrumé. Non mais c'est pas un poison. En fait, c'est parce que là, tu vois que ici, on peut descendre. Il y a un ennemi d'ailleurs. Qui revient avec moi. Tu prends plein d'eau. Ouais, tu peux prendre. J'écope. Écope. Regarde. Mais voilà. Regarde, bon. Si tu peux taper sur des trucs, il y a un truc à taper là. Oui. Il s'est embaumé. Oui, c'est vrai. On a 5 minutes. Hein. Oh oui. Tiens. Attention. Je suis embaumé, je crois. Défoncé. Mais en fait, je sais pas, je veux taper, ça me fait un truc. Bah parce que t'as pas ton arme. Je vais le faire à vous, point. Mais j'ai plus qu'une torche, moi. Je veux pas la casser. Vas-y, goûte-le. Ah, là, j'ai enfin une arme. Là, tu vois, ah, le voilà. Truc que j'ai pété, ça m'accélère mon trou d'embrumation. Mais ça m'a fait quoi? Ça m'a fait tout bizarre quand je pouvais. Je sais pas. Comme si j'étais possédé. T'as pris. Ah oui, c'était que des flèches. Non, c'est pas ça, c'est le truc rouge, l'effet rouge sur toi, là. Oui. C'est que ça accélère ta barre de. D'embrumage en haut là. Ah d'accord. Ça te donne encore moins de temps à rester en fait. Ah. Après il suffit juste que tu sortes hop comme ça et puis c'est revenu. Interagissez avec le feu de camp pour faire cuire des aliments. Oh mais il s'est allumé tout seul. Ouh. Mettez de la nourriture dans votre barre d'action. J'aime pas qu'on me donne des ordres, tu vois, je... C'est trop mignon. À la cuisine. Une bonne nuit de repos. Enfin une pause dans ce travail fastidieux. En tout cas, lui raconter des choses. Heureusement, j'ai caché quelques rations sous mon lit. Alors dans ce jeu-là, souvent quand tu lis un truc, il faut faire gaffe à ce qu'ils disent parce qu'ils donnent des indices de trucs cachés. Exceptionnel. Là, il y a des chances qu'à l'intérieur de la baraque, quelque part, il y a un lit. Oh, le swag. Oui. Quand tu le pètes, il y a un truc là-dessus. Non, je les vois, les rations, elles sont là. Nice. Mais non, mais ça m'intéresse. Bon, c'est pas grave. J'ai eu de la viande. Allez, lève-toi. Il y a du zombie ici. Il est bloqué. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah oui, je me rappelle qu'il y a un système. Si je bloque au bon moment, ça lui casse sa. Ah, faut faire une parade parfaite. Ouais. Si je plame, je bloque bouton droit pile au moment où il y a le feu, où il attaque. Ça lui met un coup en haut, il part en arrière. Mmh. C'est vachement. C'est vachement utile. Regarde, il y a un autre lancier ici, si tu veux tester. Ouais! Mais il me vise pas. Si, c'est bon. Fais gaffe parce que t'as vu. Voilà. Ok. Je vais prendre de l'eau. Sûrement bien. Prends-toi un bandage surtout. Ah bon? Bah regarde ta vie, elle est tout en bas bouche ta vie. Ah ouais. Si tu vois tout rouge autour de tes yeux, c'est pas très mal. T'as un conjonctivique, mec. Je sais pas si t'en as. Sinon, je t'en passe. Je sais pas, je cherche mon inventaire. Oui. Sac à dos. J'ai du tissu. J'ai du goudron. J'ai des buffles. J'ai des spores de brume. Ah non, je t'en ai fini.
Ah ouais, c'est B, ouais. Bien joué. Je t'en ai filé deux. Oh, merci. Ah oui, ça, ok, ça heal sur la durée. Ok. Ouais, oui, ça fait un peu. Viens, viens, sors de là. Oh, c'est mignon. On essaie d'aller vers la zone où faut faire le camp. Ok. Il y a des bouquetins qui traînent, des conneries. Il y a des lapins. Bah c'est comme dans n'importe quel démarrage de jeu de trucs, tu peux faire E sur tout ce qui bouge pour monter oui. En max. Paf paf le loup. Mmh. Oh. Okay. Ouais, je regarde juste le panorama. Ah oui. Ah oui non t'es là-bas. Voilà, bah tu vois ça c'est toute la zone enchroudée. À savoir que le brouillard blanc, donc c'est celui qu'on voit là, dans lequel on a été, c'est un brouillard où t'as 5 minutes. Par contre le rouge, pour l'instant, ah. Si on y va on meurt dans les 10 secondes. D'accord. Il y a un truc qui est en train de nous aggro quelque part, j'entends la musique. Il y avait un loup. Je l'ai buté. J'ai entendu. Ah oui mais il y a d'ailleurs un autre. Il est là. Ah oui. Ouais. Ravissant. C'est un peu là où ils disent de faire ta première base, histoire de... Ah ok. Réclamer... Oh. Tu as un construisant en de flamme. Ouais, j'ai des baies. Des baies. Après sinon on utilise un camp déjà fait. Ah mais il y a de la brume. Non c'est... Bah déjà je crois qu'ils sont en général dans le chou, pas loin. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Comment on fait déjà? Faut faire un établi. Let's go, je fabrique un établi. Et après j'ai fait B et je le mets dans ma main. Hop. Alors je sais que la façon de faire est un petit poil différente des autres jeux pour certains trucs. Parce que ça m'avait un petit peu... Ah faut faire une zone de construction. Oui, il y a une espèce d'abord une armoire là, c'est justement avec le... L'hôtel de la flamme, voilà, faut qu'on se... Ah, faut de la pierre. Moi j'ai pas de pierre. C'est ça. Faut faire un hôtel de flamme, j'en ai 3 sur 5, il m'en manque. Ouais, on va boxer les cailloux. Non, je crois que pour l'instant ça marche pas. Me semble-t-il. Non, c'est, je crois qu'on les trouve par terre. Oui, voilà. C'est les pierres un peu moyennes là que tu peux faire E dessus quand tu es là. Tiens. Non, non, ça sert à rien ce que tu fais à part te péter les points. Si, je trouve de la pierre. Je peux faire une hache du coup. Oui. Bah. Mais il y a des pierres pour faire. T'as pas obligé de faire ça. Tiens. Voilà, j'ai eu plein de cailloux. Bim. Voilà, attends, je passe. Je fais une zone intéressante. Communie avec moi. Ah, on communie. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres survivants qui somnolent dans les cryptes des anciens. Trouvez-les pour qu'ils vous aident dans votre périple. Allez-y doucement. L'un d'entre eux vous appelle. Tout près, juste de l'autre côté de la paume. C'est bizarre un peu comme message. C'est genre quelqu'un vous observe. Tout près. Donc là, tu vois les... Oui, ça, c'est les options qu'on a sur l'hôtel. C'est un peu comme la boîte à pal. Hein. Effectivement, je pensais pas du tout qu'il y avait ces systèmes. Ok. Cœur de brume. Ça vient, ouais. Dans Rust aussi, il y a ça avec des armoires. Ouais, ok. Ah oui, les armoires, peux, oui, ça me dit quelque tu chose. Tu peux voir sur M que le brouillard de guerre n'est pas passé. Ah non, si, c'est... Attends, non, non, pardon, c'est notre... On a une mission à un endroit sur M. Placement du forgeron. Parce qu'en fait, dans notre baraque, il va falloir qu'on mette des mobs qui vont faire certains On peut déplacer les meubles?
Alors déjà on va faire un sol parce que on va pas faire ça partir comme des traces wick. Oh le sol, putain c'est tellement un truc de citadin. Moi ouais, j'aime la pelouse sous mes pieds. Non parce que de toute façon il y a des trucs t'es obligé que ce soit à l'intérieur en fait. Donc bref, faut mieux qu'on fasse comme ça. Construction c'est comment déjà? V. Je sais pas. Ah oui non t'as raison. Faut sûrement faire un établi d'abord. Ouais, t'es obligé de faire un établi. Ouais. Le okay. Marteau, c'est pas ça. Le marteau. On peut ramasser, marteau, ça c'est bien. Tab, on passe en mode construction. Essentiel, marteau. Bah, je fabrique. Bloc de bois. Voilà. Survie, planeur. Il faut du poids de poids, des trucs. Ok. Moi je veux des outils. J'ai pas d'outils. Il manque des outils. Et c'est où ça? Oui, ah voilà, ici, feu de camp. Bon, un outil. Baguette. Baguette. Eh, hey, j'ai ça sur okay, moi. De toute façon, faut qu'on loot. C'est lui qui l'a dû. Bah ouais mais pour looter moi j'aimerais bien une hache. Oui non mais de toute façon faut qu'on se fasse de base. Peut-être que je ramasse plus de bois et je vais débloquer la hache. Oui c'est ça, bien débloqué. Ok. Bon putain les arbres je vais vous boxer. Tiens toi, t'es frêle. J'arrive pas à te viser, t'esquives trop bien. Je vais boire de l'eau tiens. Il est trop fin lui, il est trop chiant à viser. Ah ouais, du bois. Ouais, t'as vu. Mais ça m'a pas débloqué le truc. Non, mais je sais plus. Je pense que d'abord... Voilà. Un beau noyau, Lox. Merci. Non, je peux pas boxer guide. Croyez bien qu'on a déjà essayé. Stockage, planeur, crochet grappin. Je crois que d'abord il faut faire des trucs avant. Genre le planeur. Ça dégoûte. Le planeur d'abord. Ok. Ok, ok. Oh, hache d'abattage en pierre. Il me faut des brins de scie. Eh ben, il est dans. Je l'ai eu quand j'ai ramassé, je crois, soit des cailloux, soit des brindilles, justement. Ouais, voilà. Et il est au-dessus de feu de camp. Et à pioche en pierre. Il faut des brins de scie. Normalement, il me semblait qu'on partageait les blueprints. Ah, mais peut-être que tu l'as juste pas vu, parce qu'il est pas non plus. Gagner. Les clés du jeu. Ah, si, je l'aime. J'en ai une. La nuit, il y a plus d'ennemis ou pas? Oui, la nuit, regarde là-bas. Les zombies peuvent sortir de la nuit. Oh, trop cool! C'est Minecraft. Tiens, de tout cul! Bon, l'avantage, c'est que ça nous permet de bourriner comme des sacs sans de avoir à faire attention l'un à l'autre. C'est vrai. C'est très chiant si. Tchon. J'adore comme ça, les hommes. Oui, j'aime bien aussi. Oh, il y a des. Non, ça fait rien, c'est juste du décorum. Il y a des lucioles, je me suis dit. Lampe Firefly établie. Oh, je peux faire une lampe! Je peux faire une lampe de luciole! C'est ça. Wow! Take nature. Quelle superbe utilisation de la nature! Il me faut d'autres brindilles. Voilà, a été kit de brindilles. Exploitation des lucioles. Bah attends, on va voir déjà si c'est beau au moins. Bah, ça sert surtout. Timothée Chalamet. C'est vrai. Au-delà d'être beau. Mais j'ai pas besoin de ça. En fait, faut aller dans. I. De toute façon, c'est comme dans Conan et tout. Hein. Au début, là, tu fais E en mitraillage, tu ramasses tout. Professionnel. Des buissons, des trucs, des cailloux, des champis, des fleurs, des. Tu mitrailles, tu ramasses.
Salut Cassimi, quel spé j'ai choisi? Que dalle pour l'instant. Spébox. Vraiment, je crois... Perso moi je box. Je crois que j'ai pris tout par défaut donc... je sais plus. Parce que là j'ai... En vrai, j'ai fait un perso vraiment... J'ai fait un perso vraiment juste pour démarrer la partie là. Donc On a des persos tout neufs. Donc pour l'instant, ils sont déjà, encore nuls. Au niveau de l'arbre, j'ai rien fait. Mais je sais pas si de base. En vrai, pour l'instant, y'a rien. Parce que tu peux voir dans compétences sur H là. Que t'as un arbre des compétences. D'ailleurs, oh. Pour le début, je te. Match de combat, guérisseur, tank, barbare, athlète, survivant. Des trucs de loot. Maître de la bête des forestiers. La. Ah non, maître de la bête garde de forestier, oui d'accord. Maître de la bête de forestier, je me disais mais c'est bizarre un peu. Farceur, qu'est-ce que c'est ça? Il fait des blagues. Il fait trop des blagues. Coup de poing magique. J'aime bien ça. Je vais être farceur. Aura radieuse. C'est trop moi, j'ai moi ça. Au jeu, mais j'avoue que je m'en rappelle moins. Maître de la bête. C'est cool ça. Pour la bouffe, tout ça. Après, au niveau de bouffe et soif, il est pas hyper dur à gérer. En soi. Il faut qu'on se construise. Hop, une pioche en pierre. La ficelle, c'est bon. La ficelle me donne accès à des trucs. Je peux faire un arc. L'arc a un intérêt. C'est qu'il n'utilise pas la même touche que le reste. Ah! Donc, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Genre, tu peux avoir ton arme et en fait, t'appuies sur A pour tendre l'arc. Et du coup, tu peux avoir à la fois une arme d'attaque normale et l'arc. Ça, c'est assez cool. Non, non, il y a une quête globale, c'est une quête globale un peu Elden Ringienne, tu vois, c'est un peu Elden Ringienne, c'est-à-dire qu'il te donne des endroits, bon, il t'indique plus où aller que Elden Ring, quand même, en général, t'as plus des points à aller, mais non, c'est une grande map, enfin, c'est une bonne mais non, mais map. C'est des cadavres que j'ai trouvés, je loue des cadavres. Partout, et au fur et à mesure, tu peux battre des boss et des trucs comme ça, tu pourras débloquer des endroits. J'ai une de 6 ans, envie de manger du pain. Et tu peux pas mal te balader, hein, déjà, dès le début, quand même. Râteau. Et là, il t'a offert pas là, mal. Là, c'est pour aller chercher le bûcheron, le forgeron, je crois. Il bah non, faire des trucs, des il faut du bois, des brumes. Du bois, des brumes. Donc, faut couper du bois dans la brume. Oui, je crois que c'est ça. En plus. Faut couper du bois dans la brume. Du bois, des brumes. Du bois, des brumes. Ah non, je suis tombé. Enfin, je suis tombé. Je voulais passer sur la muraille, je suis tombé de l'autre côté de la muraille. Bon là il y a de la brume, un peu. Il y a du feu aussi. Mais non, mais c'est là d'où je viens. Ah ça c'est quoi? Des bûches. Ah il faut faire... Ah ça y est, je m'en rappelle. Faut... C'était quoi le délire? Il y avait une histoire avec des blocs là. Ouais, j'ai vu ça, mais j'ai eu peur. Il faut d'abord créer des blocs. Et après t'as les blocs sur toi et tu peux... Enfin, je m'en rappelle plus. Ça paraissait un peu chiant qu'on est là-bas. Mais... Ah, je sursaute très peu dans les jeux, j'ai réussi à sursauter à cause d'un pauvre rat. Je m'attendais tellement pas à faire. Oui, ouais. Je m'attendais pas du tout à me faire attaquer en fait, et surtout pas par un truc minuscule comme ça, ça m'a fait trop bizarre. J'ai eu un petit peu un mood de... Comment ça s'appelle? À la creeper là. Ouais. T'es tranquille en train de farmer, t'es dans un... Tout d'un coup. Un tiers de la map de dispo comme ça. J'avais fait un peu le tour, ça manquait de mobs aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a eu un peu des mises à jour depuis qu'il est sorti? Ah bah depuis j'imagine. Que j'ai joué moi, oui c'est sûr. Ouais, toi ça tu vois la diff toi okay. Un petit peu, un mois. Oh la différence. Oui, pas une énorme différence, mais là, t'as peut-être remarqué suite. Un truc. Alors là dans l'immédiat, je vais dire que peut-être. Bonjour Crop-Circle, comment... vous avez sursauté aussi. Ah, c'est avec l'établi, ça y est, d'accord, ouais. Oui, je pense qu'il y a des trucs avec l'établi.
Oui. Et des trucs que des blocs de, voilà, c'est ça, des blocs de bois. Et ensuite, des blocs de bois, comme matière. Je peux faire un super 4 fenêtres en bois. Pour construire. 4 fenêtres. J'ai pas eu de bois de brume. Moi, j'essaie juste de ramener un tout petit peu de bois de brume, mais j'ai pas de bois de brume. De bois de brume. Comment ça utilise ? J'aime beaucoup sur le jeu en ce moment, ça, en solo ça fait peur des fois. Oui bah je peux comprendre, surtout quand t'es vraiment dans ta tunnel vision, en train de faire ton farm, tes allers-retours et tout, et tout d'un coup t'as un truc qui te saute dessus. C'est... ça m'étonne pas du tout. Vu que c'est en plus pas trop le genre de jeu où tu t'imagines sur sauter. Oh t'as creusé. Ça rend ouf. Parce qu'en fait tout le terrain... Tout le terrain est terraformable. Ça c'est aussi assez ouf au niveau du moteur du jeu. C'est que tu peux prendre les objets de construction et tu peux soit faire dans un sens, soit dans l'autre. Et donc je te laisse imaginer les genres de construction de barge que ça peut faire. Par contre je me rappelle plus, attends, parce que ça c'est pas du sol aussi. Mais du coup... Si ça c'est du sol ça. Ouais mais je me rappelle plus... Je cherchais du bois de brume. Si t'as besoin de matériaux, je peux chercher du matériel. Non, c'est celui-là. Ah, il est méchant. Ouh là là. Ah, si. Prendre de l'eau. Je fais une base de baraque avec... Putain, j'ai fait. Bon, ça l'a fait. Pour ça, je découvre la vie. T'as besoin de l'aide. Non, ça va. Ah. Je suis pas sûr que ça aille. Non mais il était mort là. Qu'est-ce qui me fait chier celui-là? Pas mourir tout de suite. A chaque fois moi je laisse toujours les mobs à un tout petit peu de vie. Touche pas. Voilà. Tu sais que tout à l'heure dans Balatro j'ai réussi à mourir T1. Je te tic back. Run tout premier truc. T'es voilà. Dégoûté. C'est pas ma journée. Merci. À Balatro. Comment ouais. Ça premier à 300. Ouais. Comment c'est possible? En fait j'avais pas fait gaffe, j'avais une main en moins. Du coup j'étais en mode kill. En fait bah oui, non. T'avais pas le deck d'origine. Non. Je me suis retrouvé très con quand même, me perdre à 300. Ah oui, d'accord. Mais visuellement, on voit pas la différence entre les deux. Entre les deux sols? Enfin les deux... Ah, parce ouais. Que t'as un sol et t'as un toit, j'imagine. Non, c'était sol ou fondation. La fondation, c'est 256 que ça coûte. Le sol, c'est 50. Ok. Parce que la fondation est pas vraiment en dessous ou en profondeur. Ouais. Après dans la pratique, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Bah ça permet, si tu mets que du sol, du coup ça veut dire qu'il y a des trous en dessous et du coup il y a un creeper qui peut spawn. Non mais il y a pas de creeper. Attends, je fais clic gauche. C'est bon, je me heal. Il nous faut du bois de brume. Pourquoi tu veux ton bois de brume? Ah oui, le paravoile, je crois. Le planeur. Il faut 8 bois de brume et de la ficelle, mais la ficelle, on peut la fabriquer. Bois de brume, bah, je n'en ai pas trouvé, alors je sais pas encore où c'est. Éclairage. Je peux faire. Tu mets des choses en main. Je peux faire un. Ah, j'ai pas assez de luciole. Je cherchais des lucioles. Vachement mieux que du bois de brume. Ça se remarque que j'aime bien dire bois de brume. Oui, j'aime bien quand tu le dis aussi. Ça joue pour la solidité et construction. Ouais. Ah oui, si tu veux faire des étages, des trucs. Oh, quelle prise de tête ça. Quand tu commences à devoir avoir des certains types de sol, après, tu peux soutenir certains types de poids. Ouais, j'avais fait une maison à 2 étages, j'ai honnêtement pas trop bien. Par rapport à là où... Ouais, mais peut-être que si tu veux faire de la pierre, t'es peut-être obligé d'avoir une fondation. Je sais pas. Perhaps. Oh là, y'a une musique. Ah ! Ah ! Au secours ! M'attaque ! Je vais vers toi, je me suis fait poursuivre par un loup, mais je sais pas bien encore parer, alors j'ai peur. Il est là ! J'ai cherché le grand de toute façon, frère. Pars bien à l'avance.
Oui, mais ça m'a assommé tout à l'heure. J'ai fait ça et ça m'a assommé. Du coup, je pouvais plus bouger. Il a pu me retaper. Du coup, je me suis dit merde. Quand on fait ça, ça fait ça. Trop souvent. Ah ok, peut-être. Et peut-être que j'avais plus d'endu aussi. Peut-être pas fait gaffe, mais c'était peut-être du coup, ça m'a désniqué tout mon endu. Mais hé, ça valait le coup parce que. Non, parce que. Regarde. J'ai fait. Non, ah, j'ai fait. Le... J'ai fait une lampe à luciole. Nice. Incroyable. Tiens, mettre ailleurs. Moi, je fais toujours des trucs utiles. Oh, on peut la mettre sur le tabli, du coup, on a un tabli trop feng shui. Ramène le tabli ici. Ramasser. Oh, on a une lampe qui vole! Encore plus classe. Voilà, bon, on fait cette taille-là, on peut pas, c'est bon. Oui. Pourquoi le devant de l'établi et le derrière? Ça, c'est le devant, bah oui, il y a le petit tourniquet. Est-ce que je peux le mettre en biais? Putain, avec ces biais là. Ça va rendre fou. Je peux pas! On peut pas mettre en biais! Je décevant. Ah si, on peut! Voilà, petit biais. Merde. Mignon. Mais non, mais je vais chercher l'établi là-bas du coup. Ah non. Ah, de mémoire d'ailleurs, tu peux remplacer un bloc, je crois. Oh, ça c'est trop bien. Genre ça. Direct. Ouais, t'as fait un trou quoi. Oui, je l'ai avant. Ouais, mais. Ouais, je vois comment ça marche. Comment on rotate déjà derrière? J'ai besoin de pansement. Salut Dark Scorgon, pardon, j'ai pas lu le chat depuis genre 6 ou 7 heures. Dis-moi de boum comme si tu disais clou tout ripou. C'est vrai, c'est clou tout ripou. Qui me t'échange la main? C'est un seul mot pour moi tout ça. Le Elden Ring. Mais oui. Mais non, mais les parades parfaites, il faut, j'ai l'impression. Ça va Dark Scorgon, comment que tu vas? Moi je peux faire. Vers des fenêtres. C'est bon, gueule, attends. Ouais. Ça va. J'ai pas bien mise. Ah, mais je peux faire un cadre dans la fenêtre! Wouah! Oui, c'est ça. Par contre, fais gaffe qu'un intérieur. Nickel! C'est pour aérer. Je peux ne pas être au millimètre, mais là. Bon. par contre, je fais deux hauteurs. Parce que moi, il y a un truc qui me trigger. Professionnel! Je peux pas faire une hauteur de dalle pour le plafond. Je sens que cette maison va être dégueulasse. Pourquoi? Attendez, je vais mettre ma lampe. Elle est trop bien. Non, pas là. Deux hauteurs de bloc. Pas pour le plafond, sinon. J'ai l'impression que je peux pas respirer. Chercher du bois des brumes. Ok. Mais voilà, parfait. Non mais voilà. Ah mais j'ai des pots de bête, je crois. Attends, pour le côté pas que j'ai froid. Attends, un bois. Oui, c'est vrai que je fais pas gaffe à ce que j'ai dans mon inventaire. J'ai un écusson de fourrure, ça doit pas suffire ça par contre, je pense qu'il m'en faudrait plus que... Ça se mange les champis? Oh, je mange un champi. Tu peux les manger, mais fais quoi? Enfin, je sais plus s'il y a un downside à manger des champis. Genre qu'une fois sur quatre, tu peux être malade dégueulasse. Ah ouais! Un peu. On peut faire une Into the Wild. Oh, ça c'est du poids de prume. Peut-être. N'en dis pas plus. Non, j'en dis pas plus. Pour ceux qui n'ont pas vu. Tic. Ça c'est quoi? Des bûches? Mais non, j'ai du bois de... Mais il est tout dégueu le bois, tu vas pas me dire que c'est pas du bois de prume ça? Tiens. C'est que j'ai pas assez, ou c'est que ça tient pas parce que à cause de la fondation. Bois de l'eau. En matériau manque, il en faut. Mmh.
Ah, est-ce que c'est du bois de brume? Pas du tout! Waouh! C'est pas du bois de brume? Je sais même pas ce que c'est ça, c'est du... Je crois que c'est de la mycose un peu. C'est du pas bois de brume. C'est du pas bois de brume. Ah, je crois que c'est de la mycose tout ça là, c'est tout infecté. Ouais, tout à fait. Oh! Ok, ici il y a un endroit à explorer. Je regarde sur la map. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, du bois. Je mets du bois de brume. Je mets un point. Je ne vais pas explorer dans le shroud pour l'instant, mais c'est moi ça. Crée un marqueur. Ça. Et en vert. Écrit. Voilà. Ici, il y a un petit sous-sol Lazarus, à explorer. Merci, c'est gentil. Salut Lazarus. Bah non, mais en plus, j'ai déjà vu tout à l'heure. Re-salut. Les arbres. Ah, il me semble qu'ils galèrent un peu à repousser parce que de mémoire, on avait pas mal ratissé la zone autour du pont. Faut les repousser. Merci, faut, faut les faire repousser. Ouais, je m'en rappelle plus. Je crois qu'ils spawnent. C'est du bois de brume. Mais c'est... Ah ouais, ils veulent qu'on aille dans cette zone. Ça doit être ça, du bois de brume. Mais je suis pas sûr. Si j'y vais, je vais pas pouvoir remonter. Non, c'est le mordieu, ça. C'est le mordieu, ça. Oula, oula. Je suis en train de faire des trous par terre. C'est chiant. Tu fais plein de piscines. Mettre la musique moins forte. C'est vrai que moi j'ai pas mis de musique du tout du tout, un peu celle du jeu. Bah j'ai mis celle du jeu mais des fois quand elle se lance ça fait... Non, non, ça c'est des oreilles qui sont bizarres. C'est toi les oreilles bizarres. De toute façon tu connais rien au bois de boum. Oh une ruche. Bah moi j'ai trouvé du bois de boum. Comment bon, t'as, comment t'as trouvé? Bah, j'étais dans la boum et j'ai coupé un arbre. Mais moi aussi, mais ça me donne des bûches. C'est une tumeur. Ah oui, putain, non, c'est vrai, on dirait. Ça vient un peu ça. Ah, je sais, ah non, j'en sais rien en fait. Ce système de con. Attends, faut que je vois ce que tu fais, parce que j'ai l'impression que tu fais n'importe quoi. Non, non, je fais pas n'importe quoi. Je fais du boulot. Non, mais c'est parce que. Regarde par la fenêtre, par ma super fenêtre. C'est pas ça, c'est que quand tu construis, si jamais t'as le malheur de faire bouton droit, ça utilise ton outil comme, comme un truc pour creuser, quoi, tu vois. À tout le... Donc j'ai fait un trou au milieu de la maison, sans presque. Oh ça, punaise, ça résonne. Hello. Oui. J'ai même pas besoin de... Ça résonne. Oui. Ah ouais. Oui. Oh bah dis donc. Ça résonne vachement. Ça résonne vachement. Ça résonne. Bon. Allez, on a bien joué. Moi je cherche du bois de boum. Je cherche du bois de boum. Putain j'en peux plus, en plus je cherche vraiment ça depuis tout à l'heure. Embrumé, je suis embrumé, un putain d'arbre maintenant. On a pas. Bon bah je m'en fous. Je crois que c'est pas là, c'est le... C'est un endroit artisanat normal. C'est les dumplings. Pourquoi te regarder jouer? Aussi. J'aime bien. Te regarder jouer me donne envie. Mais j'ouvre le jeu et je suis bien deg. Mais quand j'ouvre le jeu, je suis bien deg. Ah, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'on peut être magicien aussi. T'as plus la l'ivresse des découvertes, c'est pour ça, je comprends. J'ai ça avec Animal Crossing. Quand je vois des gens jouer, je me dis, ah, j'aime bien jouer. Quand j'y joue, je fais, non. J'éteins. Il fait chier que je construis un établi juste pour construire un établi. Parce que c'est mon périple, pas comme dans le... Ça sert à rien. Non. Alors les petits loulous, ça peut fly du soleil, hein. Tiens. Dans le dos ça marche bien, ça lui fait mal. Voilà. Mais pourquoi j'ai pas de... J'ai pas de fourrure quand je le tue. Je me doutais qu'on pouvait replanter les arbres, même si ça se trouve j'avais oublié. Ah du coup t'as des petits guenons, comment parce vas-tu que, ouais, je me souvenais qu'ils respawnaient pas de même. Artisan. Ça fait 0% du jeu. Ah il est peut-être pas pour toi alors le jeu. Je crois qu'il est... Il les équipe pas bien. Très beau noyau, Lox. Merci. J'ai que des bûches.
Je suis dans la brume, j'ai que des bûches. Oh, je vais prendre de l'eau. Dans la brume, j'ai que des bûches. En même temps, j'avoue que je suis dans... j'ai... Ta musique m'avait pensé à une autre. T'as imité quelle musique? Moi? Oui, une chanson. Random, rock'n'roll nul des années 80. C'était quoi, Drake? Ça te faisait penser à quoi? Je sais pas, justement. Ah, c'est pour ça que j'ai un peu bégayé. C'est pour ça. Je cherchais. Ah non. Dans la rue. Non, je sais pas. Petit truc. À la fin. Petit, ah. Petit. Je sais pas. Oui, j'ai, voilà, bref, j'ai une chanson, j'arrive pas du tout à savoir ce que c'est, mais j'ai d'accord. Envie de continuer comme ça en disant... Oh ! Si, je crois que c'est une parodie de KDO que je... Ok, Vinal, je suis en deuil. Oh ! Ouais, mais comment t'es allé dans la vraie brume, quoi ? T'es pas allé dans la petite brumette, là, qui est autour de non, nous, t'es allé dans... La... Non, mais c'est la même, c'est la même. Ben ouais, mais... Ah bah, je te dis ça en vrai. D'où ? Ça se trouve, je sais pas du tout aller couper un truc dans la brume. Mais ça va, il frime, hein. Parce que je me rappelle vaguement. Attends, je vais voir. Il me semblait que... Ou alors c'est des arbres un peu spéciaux, peut-être. Bon, je vais vérifier. C'est que je sais pas à quoi il ressemble, s'il ressemble à un truc. Il y a un tronc, il y a des feuilles. Je vais pas m'énerver. Oh, je sais pas. Sinon, faut planter un arbre dans la brume. Ouais, mais j'ai pas de paravoile. Du coup, je saute comme ça. Et après, tu vois, c'est cool, c'est qu'on pourra sauter du haut de la colline directement dans la brume en paravoile. Bah ouais. Style. Ça dégoûte. Eh non, bah non, y a pas beaucoup de. Y a pas beaucoup d'arbres dans la brume. Ouais, le jeu est sur Steam, tout à fait, oui. Le jeu sur Steam, tout à fait, il y a beaucoup de gens qui jouent. Et Gage va faire gagner une clé tout à l'heure. Je vais faire gagner une clé juste après, n'hésitez pas. Venez ouvrir un petit onglet chez moi. On fera un petit tirage au sort. Évidemment. Petite morve. Si on peut, si vous pouviez c'était vous débrouiller ça. Pour que je reste à 110 personnes dans l'heure. Un peu... Ah, 2 minutes. Lox TV Pazou, j'ai retrouvé une mode Lox TV Pazou. Merci beaucoup pour le chef dumpling, merci beaucoup. On va chercher le coin. Ouais, bah j'y arrive. Et puis on va là-dedans. Failin et Faiwen en même temps. Les deux. Ah, pas mal. J'ai mélangé. C'est joli, ça fait un joli résultat. Petite morve, on se fait sculpter. Non, c'est ça la musique que j'avais en tête. C'était une musique de KDO, il dit petite morve. Voilà, j'avais ça en tête. Je sais plus la suite, mais... Enfin, de morve. Petite morve. Mais voilà, il a commencé la phrase avec le même rythme que tu le chantais. D'accord. C'est ça. On a le feu dans la maison. Oui. C'est pas très sûr. Oui bah. On peut faire cuire des champignons. Au moins je t'ai mis un poids sur la tête. J'aime bien comment on fait ça le feu. Moi aussi. Oh sa fenêtre. Vas-y. Coco. C'est la petite touche. Après, je ferai une fenêtre en biais. Wouhou! Clier, arc. Moi, gars, il ne m'a pas appelé pustule, c'est vrai. Salut, Guillaume. Salut, pustule. On sort pustule! Avec beaucoup d'entrain. Non, alors, tu disais qu'on non. Allait faire un queutru. Ah, non. Oui. Je vois quand je. Ouais. Quand je chie. Vas-y, regarde. J'arrive. Rentre dans la maison. Ça, c'est un bouton droit sans faire exprès, tu vois pas. Hop. Mais tu casses la maison. Et tu vois, l'avantage, c'est que quand t'as un arbre, il suffit juste de l'avoir dans ta barre d'action quelque part. Et tu peux
peux le bander directement avec A sans avoir à l'équiper. Ah oui, d'accord. Attends. Ah non, c'est peut-être plus tard. Attends, je dis des conneries. Fake news. Ah non, non, c'est faut l'équiper. Lise Alama, encore un jeu de survie de fou. Des conneries. Parce qu'il faut l'équiper. Bon, test Unshrouded. En tout cas. Ah oui, voilà, faut l'équiper. Il est joli en tout cas le jeu. Donc portée puissance d'attaque, c'est ça. Maintenant j'ai mon épée, mais hop, je peux directement bander. Directement. Même si j'ai mon épée, hop, je bande. Dixit, le gars qui vient prendre du Viagra. Je peux littéralement bander. C'était quoi ça, genre ? De quoi ? C'était quoi ? C'était moi. Non mais t'as dit quoi, Dixit, le gars quoi ? Qui peut prendre du Viagra, qui vient de prendre du Viagra. Je peux littéralement bander. Je peux... Ouais, attends, dis-lui là. Tu vas voir ce que tu as. Oh lui, tes petits champis. T'as des bandages ? Tu t'es fait des bandages ? J'ai... Non. Bah vas-y, c'est dans l'artisanat, tu te fais... Si t'as moyen d'en faire un petit 2-3. Ah, j'ai pas de ficelle. Je fais de la ficelle. Je peux faire de la ficelle. Mais c'est vrai que c'est le catholisme. C'est vrai que tu peux t'orienter magicien dans le jeu aussi, ça c'est cool. Ça c'est assez différent de. Bon, c'est Elden Ring, hein, mais du coup, il n'y a pas beaucoup des jeux comme ça. Et tu peux tout de suite là déjà faire des premières baguettes et utiliser la magie comme arme. Eh bien, on va voir si c'est on bon. On trouve le forgeron. Ça, 500 mètres par là. Oh, du bonheboum. Du bonheboum. Les persos sont mal proportionnés. Nous sommes des hobbits. Oh, bah, c'est pas des humains. C'est mignon, les hobbits. Techniquement, c'est vraiment pas des humains. Ah ouais ? Ils ont parlé des humains dans l'intro. Je savais pas si nous, on l'était. Non, ils te créent. Je sais plus. Je me rappelle plus de l'histoire exactement, mais t'es créé pour une tâche spéciale. Une tâche. On peut pas passer le pont comme ça, il faut descendre. Faut qu'on aille de l'autre côté du pont, je crois. Oui, oui, c'est volontaire le style des persos. Bon, ça se voit. Non, non, c'est ils ont fait. Ils ont dit. Trop petit. Wow, ouais. Ça passe. Journal du capitaine, jour 20. Nous sommes affamés. Il fallait détruire le pont. Et avec lui, notre connexion aux approvisionnements. Mais ça a fonctionné. Nous n'avons pas vu d'autres maraudeurs. La crypte descend et ceux qui sont dedans sont en sécurité. Et devraient le rester. Si nous voulons éviter la famine, nous devrons peut-être tenter notre chance dans l'horrible brume. Dans les deux cas, c'est la mort assurée. Et de mon côté... 1h04, hop, one shrouded, hop, j'arrête le suivi. Déjà, je suis en terminaison de tac. Quel jeu de merde. Non. Ouais, ça y est, il peut dire, le jeu est pourri. Non. Non, mais en plus, j'aime bien. J'aime bien aussi. Il est sympa, c'est une ambiance. Après, faut jouer à plusieurs. Quoi. Merci beaucoup pour ceux qui sont venus, qui sont restés. Est-ce que vous voulez qu'on fasse gagner la clé maintenant ? Vous pouvez gagner une clé chez Kyle ! Je peux le faire tout de suite. Normalement, on a eu assez, je te dirais ça dans 2 minutes. Mais je pense que oui, ça devait être à peu près. Restez sur le chemin, de crainte que la brume ne s'empare de vous. Le salut droit devant. Attends, avant d'aller... Ça marche pas, je vais arrêter. T'es où toi ? T'es là ? Je t'appelle à la maison. Ouais, non, tu pètes tes outils. Comment elle nous fout dehors ? Bah non, clairement pas ! Je vous le dis. Ben, le milliard. Alors attendez. C'est pour ça ceux qui sont brume. Sur mon stream, nous allons faire un tirage au sort. Je vais faire un tirage au sort, ce sera exclamation brume. B-R-U-M-E. C'est pas tout, calmez-vous. Durée du tirage, limité nombre de participants, nom, pondéré, affiche. J'ai eu de la brume liquide. Annonce. Le tirage sort a commencé. Rejoignez le tirage. Hein. Annonce. Chat. J'ai trop peur. Vous êtes prêts et prêtes, subs. Est-ce que je donne de plus de sous, subs?
C'est tentant, c'est tentant, tu peux, tu, c'est tentant. Tirage au sort, comment c'est... Si vous voulez tirer, être tiré au sort et gagner une clé de Enchwodad. Allez vous faire tirer chez Guide. Exclamation brume. Voilà. Exclamation brume, non, pas ici. Dans mon chat, hein. Et là-haut. Ouais, je monte pour visiter. Vous ne pouvez pas continuer. Sans le grappin, j'ai pas de grappin. Oui, non, tu peux pas. Il nous faut le grappin. C'est ce que disait le message. C'est pour ça qu'il faut passer par la boule. Viens des. Oui. Tiens-moi tes chats la main. Ah, c'est vrai que je peux avoir un overlay tirage au sort avec tout le chat là. C'est bien. C'est... Incroyable. Faudrait que je le fasse. Attends. Deux secondes. Un truc d'une seconde. Je m'en veux pas, hein. Attends, ça arrive, attention. Un mort, vite, tuons-le. Tout à fait. Ils peuvent pas se défendre, c'est bien. Je crois que ça marche pas tout à l'heure pour le tirage de son. Regarde. Bon bref. Déplace-moi dans OBS. Let's go, vas-y bien. Attends. Non. Restez sur le chemin. Ta gueule! Putain, putain, putain. Donc là, on en a. Regarde, tape là-dedans là. Ça m'a donné de la brume liquide, ça. Ah, ça, c'est de la brume liquide. Parce que je sais que ça donne un truc particulier, ouais. Bah, ça, à un moment, j'en ai looté 12 000 tonnes à peu près, je sais plus pourquoi. Mais... Donc, vas-y viens, on va en parler. Y'a une tente, y'a des tentes. Sans, t'éloigne pas trop du chemin. Parce que tu peux trouver sur des... Dans des missions. Sur des mobs un petit peu plus belles. Tiens. Ça fait pich. Ça fait pich. Ah oui, on arrive à un village dans les nuages. Normalement, il va y avoir du mob et du loup et des conneries. Ah oui! Un chien d'attaque. Ah, tu vois qu'il a un level, hein. C'est ouais, il est level 3. Pense à looter les queues de rue. Oui, j'y ai pas pensé. Ouais d'accord, c'est tout un village de méchants. Ouais, alors fais gaffe parce que là ils peuvent se prendre des... J'ai mort. Ah oui, mais t'es mort en deux secondes. J'avais toute ma vie, c'est abusé. Parce qu'il faut... Tu bourrines un petit peu trop fort. C'est vrai. Ah ouais. Ah attends... Bonne nuit, on voit bientôt. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ils sont très forts. Ils sont peut-être un peu forts pour nous, c'est pour ça. Oh, il a dit du mal de nous, je crois. Je sais pas si je peux réparer ma hache ou s'il faut que je refasse une parce qu'elle est bientôt usée. Bah tu peux la réparer. Ok. Ouais, ils sont un peu forts pour nous. Je vais faire des roulades. Bah j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'étais trop dans les coups. Effectivement. Ouais, y'a un petit peu de ça, Féline, c'est un peu des décors comme ça. Ah, je fais réapparaître ? Ouais. Oh, mais j'ai pas perdu mes loots. Ah, mais là, on a tout. Pourquoi on a tout ? Rappelle-moi, parce que normalement, je sais pas du tout. Nos sacs. C'est paramètres serveur ? Je crois que c'est peut-être parce que c'est au début. C'est bien passé. Ouais, ouais, je vais vérifier. Mais normalement, je pense que au niveau du chiffre, c'était bon. En tout cas, c'est sûr que j'avais au moins le minimum, ça c'est cool. Et je vous remercie
Ah, j'ai recuit. Écoutez, au mieux, ça me 97% j'ai fait. Bien joué. J'ai perdu 1$, bande de salauds. Voilà. Merci beaucoup. Ça va, c'est quali, c'est cool. 47$, c'est pas... On crache pas dessus. Bon oui. Deux paquets d'argile polymère, comme on m'a dit. Ah bon? Ouais. Du coup, il faut qu'on s'entraîne un peu sur les connards autour. Viens, viens. Ouais, je connais un endroit. Il faut du bois de brume. Avec ton bois de brume, elle est là déjà. On n'a même pas fait, il y a un petit truc, oui, à descendre ici. Et oui, et il y en a aussi à droite, là-bas. Mais là déjà. Oui. Et reprends un peu de ta life. Moi aussi, mais je suis à fond. Et ben, à fond du tout. Je vois ta barre au-dessus de toi. Il y a un sous-sol ici, je crois, non? Ouais. Alors, je te préviens qu'il y a des rats. Ah, là, je m'y attends. Il faut de la lumière en plus. Fais attention, le truc qui éclate à côté de toi, là. Voilà. C'est cool ou pas cool? Ça te fait baisser ta barre de... Vaut mieux les éclater de loin, en fait. Ok. Qui que je connais? Merci Miss Mev. Merci beaucoup pour les 45 mois. Hop là. Et une fois que ça s'est barré, tu peux revenir. Tranquillement. Je crois que c'est pas fini. Attends. Ouais, par là, regarde. Ça donne envie. Oh, pinaise, ça respire! J'ai bien dit, on les éclate de loin en plus, c'est quoi? Nickel, ça sert à rien de bender maintenant. En plus, c'est ça qui est bien. Moi je prends le coffre. Bah c'est ça qu'il faut, qu'on vient chercher. Flèche de bois et une popo. Et en fait, un des trucs de Anne-Chaudet, c'est que... regarde. Avec la hache, on peut vraiment poser absolument partout comme un... Ah oui, d'accord, t'es en train de tout péter. Comme un Minecraft, tu vois. En vrai, je tape là, je pourrais taper là. Hein. Ah non, peut-être... Alors ça, peut-être oui, non, faut que ça pète. Non, c'est ça. C'est juste que ma hache est pas assez forte pour péter le mur. À moins de 12 coups, 32 coups, donc je vais pas la péter non plus. Mais même n'importe où dans l'air, à l'extérieur ou quoi, on peut creuser, nous faire un truc. On peut terraformer ce qu'on veut, quoi. Ouais, bah remballe ta petite hache là. Bon, ça, ma petite hache, ça va. Quand t'as eu des plus grosses haches que ça dans ta vie. Oh, y'a même pas eu de rat. Regarde. Une piscine. Allez, salut. Mais ça permet de faire des bases un peu spéciales ou de faire des trucs. Ça permet des choses. Ok, c'est marrant. Il y a des endroits où il y a des trucs cachés. Par exemple, vu que j'ai déjà joué, je connais un endroit caché vers le pilier là-bas. Il y a une arme assez balèze cachée. Comment je répare ma hache? Il faut faire un... Je crois que sur l'établi ou je sais plus. Ou faut faire un établi de réparation, je me rappelle plus exactement. Ou c'est sur toi, peut-être aussi. Peut-être sur toi. Attends. Je crois que c'est dans ton inventaire, si je fais pas de bêtises. Tu vas dessus. Et je me demande si t'as pas l'option réparer ou je sais plus. Il y avait une connerie. Attends. Clique pas. Je me rappelle plus. Mais elle est réparée? Ou ça se répare autour, je sais plus. Je sais plus pourquoi. Ah oui, tous les objets réparés! J'ai pas vu en haut à gauche quand t'interagis avec l'établi, ça te répare tout! Ouais, voilà. Waouh! Waouh! Il fait rouge dehors! Je suis assez content que vous ayez changé de jeu. Pourquoi?
quoi. Changer de jeu. Ah, tu penses qu'on joue à ça à la place de Palworld, c'est ça que tu veux dire? Vous êtes 14 à avoir participé au tirage au sort. Ah. Le ou la gagnante de cette clé d'Enchouded est. Je la laisse faire très longtemps parce qu'en plus c'est chiant, je faisais ce bruit. Go! Attends. Ah, oh, il y a la roue, il y a l'animation. Incroyable, regarde-moi ça, regarde sur mon stream. Oh, c'est Twitch chat, c'est trop fort. Ah oui, là je le vois. Don't want her name. Ouais. Merci, merci. Mais non, bah, merci toi, merci. John Wasserney, toi, dis-nous remporté, merci. La clé. Voilà, wow. Je vais t'envoyer ça. Ouah. Je vais t'envoyer ça. Hop là. J'aime beaucoup les mouvements du perso. Je m'amuse juste à courir, à faire apparaître et à faire des roulades. J'ai du bois de brume. Oh, mais j'en peux plus. Faudrait que je demande à... à Dios. Comment des moutons. On envoie un MP rapidement à quelqu'un. Whisper. Oh, il y a des ruches. Abattez les ruches depuis un moment. Les ruches sont ouvertes. Jeune John. Début. Ouais. Hop, sous la couette. Bon, leur petit effriment. Ouais, regarde, non, je t'ai envoyé la clé. Je me confirme ça. À ceux qui sont venus et qui sont restés le temps du truc, ça fait très plaisir, merci beaucoup, surtout quand je démarre un dimanche soir à 22h30. Oh, nos commus, ça leur fait pas peur normalement. Ouais, mais moi le truc c'est qu'il y en a quand même une petite partie qui va dormir à minuit et quelques, tu vois, je sens que ça tombe un peu à cette heure-là. Donc moi je me dis, le dimanche soir, c'est des gens qui travaillent, c'est vrai. Mm-hmm. Et eux, tu penses qu'ils trouvent du bois de brume? C'est bon. Moi, ils s'en trouvent pas! On n'aura jamais de paravoile. Ouais. Pourtant, je suis trop dans la brume, là. Oh. Peut-être qu'il faut le ramasser par terre, peut-être. Oh, j'ai eu le... Ah oui, une luciole. On pourra faire une autre lampe. Je crois que c'est ça le roi de brume. Ah, c'est les brindilles de brume. C'est tout à peur. Oui. Le geste il est tellement nul quand il donne sur rien. C'est vraiment le bruit. Viens, descendre dans la brume. Ah mais ils sont niveau haut. Non mais là, on va pas au village. Ok. Dans les environs du coin de la brume. Tu fais tati. La fonce de. Ça fait bizarre de pas avoir de voile. Il fait chaud là, c'est bon.
Là-bas, il y a du bois. Ok, c'est rouge. Bah, c'est un bois là, si tu tapes dessus, je pense que c'est du bois de bois. Ah, c'est du bois de bois. Celui qui est en bas, là. Yaaaaaah! Si tu le baisses, là. Tiens. Bois de bois ou pas bois de brume? Je sais pas, il est plus d'enduit, il est trop gru. Boum. Oui, bois de brume! Bois de brume! On peut faire la canne spirituelle d'alchimiste. Il y a des bébés. Oh, c'est des bouffe-têtes! Oh oui. J'ai pas peur. J'ai pas peur de manger de la moustache. Brindis liquide, morceaux de bestioles. Ah, c'est littéralement des bestioles. Leur nom, c'est bestioles. Ouais. On a du bois de brume, on va pouvoir faire la paravoile. Et ça, c'est cool. Non, il faut ramasser. C'est de la brume liquide. À partir du sort, t'as un bouton. Comment ça m'aide? Bim. À partir du sort, t'as un bouton pour envoyer. Mais c'est rapide, c'est pas simple. Par un sort d'MP Twitch, le bot écrit dans le chat. Le bot, il donne la clé dans le chat, pif. Pourquoi tu dis attention, truc, tes MP sont fermés? Ah, le MP dans le chat. Oui, d'accord. Ah voilà. J'ai compris l'entièreté du truc. Oh, il y a une grande tour rouge là-bas, avec des lumières rouges. Je sais pas s'il y a un moyen technique pour Twitch chat de se rendre compte que les MP sont passés. Peut-être qu'il y a une vérification sur le profil possible. Je pars la brume. Retour. C'est beau, regardez ça. C'est beau un peu. Je sais pas, ça ferait une belle peinture. Vas-y, go peindre. Go peindre. Liquid white, tout de suite. Liquid white, Bob Ross, bim bam boum. Ouais, le liquid white vient des États-Unis. C'est pour ça il met du bah temps. Ouais, c'est du vrai Bob Ross. Ouais, on avait pas fait gaffe. Bah mais bon, oui, au moins on aura le vrai. Ouais, bah, ça se fait soi-même, mais ça peut pas faire ouais, le même résultat. Bon, surtout quand tu t'y connais super bien en peinture comme moi. Fait. Mais oui, attention, il nous reste 2 minutes. Hein. Va pas falloir qu'on traîne trop. Ah oui, je pensais que quand on était ici, ça allait mieux. Non. Derrière toi. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, on le laisse pas le... On le laisse pas respirer, laisse pas respirer. On se casse. Oui. Maison. C'est où? C'est derrière. C'est par là. Là. Mais ouais, mais moi j'ai glissé, hein. On a du bois de brume. J'espère qu'on en a assez. Là on descend là. Je sais plus si c'est par la grande montre. Non, c'est dans le sens. Non, c'est tout bien. Hey, 1 minute 30, on court, viens. Et derrière moi. Ok. Oui, de loin. J'ai plus d'enduit là. Elle revient. Je mets ma torche, ça me protège. Ah. Pas du tout. Merde, je sais où on arrive. C'est pas par là. C'est derrière nous. C'est dans l'autre sens. Oui. C'est... Ah! Il y avait un méchant, j'ai même pas vu. Okay. Attends, par là peut-être? Ouais. Ok. Mais après, faut trouver un chemin. Parce qu'en fait, on a descendu à l'arrache. Non, mais si t'arrives à monter, ne serait-ce qu'un peu. Ah, ok. Il y a des endroits où tu peux ressortir. Ah oui, là c'est peut-être pas mal, là, un peu en biais là. Ah! La merde. Il est remonté. Ouais, je sais qu'il est toujours. Ouais, mais je pense que c'est pas vraiment. Est-ce que. Si, là! Je vais peut-être essayer là. Il reste 20 secondes. Oui, lock les ennemis. Mais ça, je t'avoue que lock les ennemis. Quel que soit le jeu, j'aime pas trop. Oui, j'ai réussi. J'ai jamais aimé. Ah, bah tu vois, t'as pris un meilleur chemin.
Oh, eh, c'est bon, beau un peu. Je l'ai trouvé. Parce que moi, c'est l'inverse. T'as tout fait retourner sur moi. Ouais, j'ai... en tout cas, j'ai réussi à remonter bon, facilement oui, en plusieurs fois. Luxcross, oui, c'est, ça viendra hein, quand j'aurai le Liquid Way. Ah ouais, moi ça me suis chaud ça pour peindre un peu mes parents sur les spéciaux. Ah, c'est vrai que c'est un exercice sympa, c'est assez, assez satisfaisant à faire. Bah ouais. Mais bon. Ici, oh c'est quoi le niveau? Ah d'accord, y'a plus de feu. Ah, regardez. Je vais refaire un. Mais avant je peux me réparer, si je fais ça. C'est tout réparé, comment c'est trop bien. Ça c'est bien qu'ils aient facilité ça. Devoir réparer ces trucs c'est toujours un truc très chiant. Là ça répare auto. Merci. Voilà. Bon, bois de brume, nous avons. Bois de brume. Bois de brume. Planeur, qu'est-ce qui manque maintenant? Il manque de la fourrure et de la ficelle. La ficelle, ça va, la fourrure, ça va aussi. Ça va. Eh, comment on fait des coffres? Bah, tu peux les crafter. Directement sur toi. Ah, directement sur moi. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci, Mondo Shaman. Non, pas Shaman. Shawan. Pardon, pardon. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Valo doit avoir tellement hâte. Oui, elle me disait qu'elle avait regardé plein de fois ma rediff et qu'elle en voulait une autre. Trop mignon. On n'est pas un Mondo Shawan. C'est quoi un Mondo Shawan? C'est une race extraterrestre dans... dans Stargate? Ah, non. Je connais pas les espèces dans le cinquième élément, moi. Je connais aucune. Si, c'est au enfin, début... Ouais, c'est les gros trucs dorés là. Une espèce de grosse forme ronde avec une petite tête. Qui viennent. Au tout tout début du 5 Ah tout, oui, tout, c'est tout début, les sortes de moines là un peu, enfin entre guillemets. Je sais pas, ils ont l'air un peu d'être. Bah, ils filent les clés, la clé aux moines et tout ça. Ok. Non, rien à voir avec Christophe Mondo Shawan. C'est qui Christophe Mondo Shawan? Quoi? J'ai vraiment compris ça. Rien à voir avec oui, Christophe Mondo Shawan. Mais c'est qui? Bah c'est parce qu'il est Christophe de Shawan. Ah putain! J'étais loin, j'étais loin. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom. J'étais très loin. J'avoue. Chercher quoi moi? Ah oui, faire des sacs! Putain, ça fait depuis 5 fois que je regarde dans mon inventaire, je sais plus pourquoi. Marteau de construction, probablement. Est-ce que j'en ai fait un? J'en ai fait un. Oh ouais, d'accord. Effectivement, c'était Lox qui était reparti dans le bon sens et qui est remonté au bon endroit. C'était l'instinct. La clé. Putain, il n'y a pas de coffre ici. Instinct du mais gamer, exactement. Christophe de Shawan, je crois qu'il présente encore des trucs hein, à la con. Sûrement, ouais. Des espèces de bonhomme arrondi qui marche tout lentement. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Même si je me rappelle mal. Je me rappelle de certaines créatures qui m'avaient bien marqué, celle-là, je me rappelle pas trop. Enfin, vite fait. Si, sont... enfin, si tu les revois. Salut, Kuon! En fait. Il n'y a pas de nuit, Frim, si tu as dodo. Bonjour. Mon chou. Alors. Je pense que. C'est où déjà? Pour le coffre. C'est. Ah, c'est ici. Planeur, il manque de la fissaille là. Oh, je peux faire des chiffons. C'est nul. Ça... Ah, mais c'est de la tenue, ils appellent ça chiffon. Oui, oui. Je fais mise en lambeau. Et, du coup, t'as des onglets en haut, hein. T'as vu, c'est chelou, ça. C'est pas ça me présente. Oui. C'est raccourci finalement. Ficelle. Ouais, ouais. Par contre, tu es éclaté, je passe en l'orque, ça marche, tu vois.
Excuse-moi, je t'ai pas répondu, ça marche, petit dieu, des bisous. Et bon, bon lurk. Personnage. Bon lurk. Couille. Leur couille. Hop, l'écureuil volant m'appelle. Moi, il me faut de la fourrure. T'en as pas ? T'en as pas assez ? Bah, j'en ai une. À chaque fois, les trucs, ils m'ont donné des os. Là, t'es où ? Putain, t'es en train de faire qu'on en fout pas là. Je prends. Possiblement, je peux en avoir assez. De la fourrure. Offrir. Lox. On en voit un, c'est bon. T'en veux un ou deux ? Je sais pas, il en faut combien ? Je vais voir. Merci. Voilà. Ici. Et là. C'est dans fabrication. C'est dans ah oui, planeur. Ah, il faut deux fourrures et une ficelle. Ok. Mais attends, j'ai des trucs de fourrure. J'ai eu des trucs, un truc de loup. Bon, je t'en donne, hein, si t'as besoin. Ah bah j'ai... Bah non, je l'ai pas. Mais c'était pas la même l'autre. Fourrure, c'était un écusson de fourrure, il s'appelait ça. Merci. Il est j'ai ma ficelle. De, ça, de qui? Hein? Ça parle encore de Christophe de Chavagne? Ouais. Ah. De Léa Salamé. Pas la même personne, je crois. Que Christophe de Chavannes. j'ai pas vu le lien sur le coup. Okay. On a un bonus, j'ai eu un bonus de dégâts magiques en mangeant champi. Timothée Chalamet, Timothée Chalamet, Timothée Chauvin. Du buffy contre les vampires. Bon bah, on se bat avec des trucs. T'as fait ton. Non. T'as fait ta paravoine. Je pouvais pas encore faire ma ficelle. Ah. Comment ça, il m'en manque encore une fibre de plante, tu putain de câble. Demande, pourquoi tu. Parce que. Tu fuis comme ça. Pourquoi tu fuis les problèmes? Ça fait mal le feu. Oh ouais. Tiens. Merci. Bon, j'en avais que. Sans ambiance quoi. Ficelle, où est-ce qu'elle est? Elle est dans l'autre truc, direct. Manuel. Ok. 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 C'est bon. Il voilà. Est. Oh ouais, il est équipé ou pas? Maintenant tu fais N. Ah oui. Tu cliques en bas sur l'emplacement paravoile et tu peux le mettre. Ouais, il est plus commun. Voilà. Maintenant tu peux jeter n'importe où et dès que tu refais les espaces, ça la balance. Ah oui, t'as l'air d'un con. On peut même faire, tu vois, genre quand il y a une petite pente comme ça. Voilà, exactement ce que t'es en train de faire. Quand il y a une petite pente, des fois on peut descendre drôle. La pente en paravoile. Vas-y bien. Cœur et volant, oui, de fou! T'es prête? Timothée Salamé! Ah oui, c'est ça en fait! C'est pour ça, c'est parce que ça fait gagner un peu de temps. Bon, par contre, faut pas le faire à l'infini non plus, parce que tu vois qu'on a un maximum de temps. Hop là! J'ai atterri un endroit pour looter des coups. Soirée exceptionnelle! C'est quoi ça? Je suis sur une grosse pustule bleue. Ouais, fais gaffe, hein, si ça explose et que ça te brumifie rouge. Ça te démonte. Moi, j'ai du mycélium. Du. Techniquement, du. Du jus de champignons. Merde. Du jus de mycose. Ma mycose, elle me jute dessus. Mycose. Mais c'est bien de ramasser des que trucs chelous parce que ça peut ouvrir des crafts. Ouais, c'est ce que je me dis aussi vu que j'en avais jamais eu. Ah, il y a des petits insectes. Oula, il est vénère. Ouah,
Il m'a tapé dans le dos. Ah, t'es mort direct? Ouais, il m'a bah, OS. Je vais tenter de mourir. Ça va être. Je suis en train de me battre contre l'insecte. Oh, ouais, non, mais. J'ai intérêt à prendre zéro coup. Là, 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 là. Attention! Waouh, bien joué! Ça va être un peu trop long comme ça, je pense, pour toi. Je sais pas, j'ai pas de timer, moi. Ouais. C'est pour toi que ça va être long, je crois. Mais pas infaisable. C'est vrai. Aussi, y a un autre connard qui vient par derrière. Ah, 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 ah. Attention, il te tape. Hop. Bon, j'ai réussi à mettre mon bruit. Waouh. Ça va. Attention. C'est vrai que l'insecte il m'avait tapé dessus dans le dos justement. Putain ouais, non, c'est parce que je me retourne ouais, vraiment. Les coups dans le dos ils comptent vraiment ah ouais. Double j'ai l'impression. Je crois qu'il a invoqué un truc, non? Il s'est énervé. Ah, je sais pas, il s'est énervé peut-être. Mais il a faim que le truc. Je vois rien encore autour. Oh putain, j'ai eu un lag, heureusement. J'ai vu te taper sans que tu pars mais ça t'a... j'ai pas vu ta vie baisser. Ah parce qu'il y a eu un lag mais j'ai quand même réussi à le parer. Putain de merde. Mais t'es nul. C'était stylé comme combat en vrai. Ouais. Pardon Dio, je t'ai réveillé avec une mycose. La mycose me jute dessus, oh, oui c'est... pardon. La mycose me jute dessus. Oui j'ai dit ça tout à l'heure. C'est particulier les images que ça met en tête quand même. Oui, parce que t'as que le son. Moi, je vais me faire des vêtements avant. Et j'en ai. Toi, t'en as pas? Bah. Enfin, j'ai pas de haut, quoi. On est en Guigny. Bah, j'ai une petite brassière, quoi. Je suis pas sûr que tu puisses faire grand chose. En fait, j'avais vu que je pouvais. Que dans les crafts, j'avais chiffon. Et du coup, c'est une chemise en lambeaux et ça donne de la résistance physique. Mais pour ça, il faut de la ficelle et du tissu déchiré. Il y a aussi bouclier. Vu qu'on a des armes à une main, on peut faire bouclier, main droite. Tic-tac-touc. Après, je suis très con aussi parce que j'ai un arc. Hein. J'aurais pu totalement. Mettre à distance et. Ah mince, faut que je fabrique ça. Voilà. Fabriquer un truc pour la quête, fallait que je fabrique un hôtel. Ok, ouais, parce qu'on sort, oui, je peux. Un arc, ça se met. Ah oui, arc. J'avoue, je vais aller looter un petit peu des conneries pour faire arc et bouclier. Craft, lootons un peu. Donc il fait beau. Oui, il fait beau, il fait jour. Mais voilà, du coup, comme vous le voyez, c'est un jeu. Où on peut un peu faire sa vie dans votre camp, faire des trucs à monter un maximum et puis et puis quand on le sent, bah on part en mission et puis on va essayer de buter des trucs. Oui, parce que là, contrairement à d'autres jeux du genre, on a quand même vraiment des objectifs clairement établis sur la quête. Ouais, là, c'est pas une direction. En Valheim, par exemple, c'est différent. On va te dire, bon, bah il y a un boss qu'il faudrait que tu tues. Et encore, même pas vraiment, on te le dit même pas vraiment, je crois. C'est juste après que t'aies tué un boss, on te dit c'est bien, t'as fait ce qu'il fallait. C'est un peu comme Conan aussi, il te dit vaguement. Là, c'est vrai qu'il y a vraiment des. Ah, où? Ouais. Là, il y a des points. Là, c'est pas mal. J'aime bien aussi, des fois, être un peu prise par la main pour pouvoir un peu. Oui, moi, j'aime pas trop dans les open world. Jamais savoir. Ouais. Ouais. Oh, une lapin. Oh, une ruche. Ah non, mais je vais te prendre d'autres trucs, moi. Je prends plein de ruches tout le temps. Prendre la pierre aussi. Ça t'a fait une... Oui. Ouais, j'ai hache, pioche. Itou, itou. Tiens. Ah, mais j'ai jamais d'enduit, je bois de l'eau. Pourtant, je trouve pas qu'elle soit très dure à gérer. De quoi l'enduit? Ouais. Bah quand tu cours tout le temps un peu. Ouais. Moi je cours et je fais des roulades H24. Ouais, comme de base il va... Bon il court un petit peu tu vois. Donc ça me dérange pas de pas courir à fond tout le temps.
Moi j'aime trop la dégaine du perso quand il court et quand il fait des roulades, alors j'en fais tout le temps. Il saute vraiment la tête la première quoi. Regardez ça. Non. Ah, je suis dans la bombe. Valheim, j'avoue qu'il m'a pas spécialement plu plus que ça. Ouais, moi j'ai juste fait ma maison. Je sortais juste de grosses sélections de Conan et j'avoue que quand je fasse de Conan à Valheim. Je comprends. Ça paraît wish quoi. Je peux cacher. Ouais. J'ai entendu un rat. Donjons, ils étaient tellement ridicules. Un dessin. Bim, dans ta gueule le dessin. Hésite pas dans ce jeu là, si tu vois un endroit qui a l'air d'être couvert par un tas de pierres. Oui, oui. De creuser avec ta. Oh, tu vois un passage secret. T'as fait tout, tout. Oui, je connais. Oui, c'est juste. Oui, popo. C'est trop bien! Pour un passage secret! Il y a plusieurs trucs cachés dans cette cité. Dans ce village. Oui. Oh, il a un truc, on y va. Avec ça, Vandale. Comment ça, Vandale? Exploratrice. Ah oui, d'accord. En général. Le bois, c'est vraiment que pour péter les trucs en. Nouvel emplacement cartographique. Ça vous plaît quand je me réveillerai. Je pense pas non, Fiona. Fion. Vous devez partir, tenez-moi au courant, machin. Ok, du coup, j'ai un nouvel emplacement sur la carte, je vais regarder. C'est quoi? Mission secondaire. Lettre d'amour. Ah ouais, d'accord, cool. Ouais, pour récupérer des clés. Bim. Et en plus, le jeu tourne bien. Honnêtement, tu sens qu'il est. Je sens qu'il est pas très loin. Oui. Il est pas très loin, il est fluide et il est joli. Ouais. Pas le jeu le plus beau de la Terre, mais... Bon, ça va, c'est... Bonjour. C'est agréable quand tu sors, tu vois tous les endroits de loin et tout ça, ça t'as pas su 2 FPS et tout. Non, ça va. C'est quand même, finalement, un peu rare, en fait. C'est clair. Prends ça, le bouquetin. Bon, je vais arrêter de péter des tables. On va ailleurs. Parce qu'à la base, moi... c'était pas ça que je devais faire en fait. J'ai trouvé des brindilles, tout ça, et je sais plus quoi d'autre. Ah, ah quoi? Oh, toi. Ouh, ah, il est là. Ah. Sûrement des rats. Typique le garde dans un RPG. Ça doit être des rats. Ouais, c'est joli. Après, on se fait facilement avoir par des effets de lumière dans les jeux. C'est vrai. Ça marche très bien. Je vois. Et bon, ça va, Valheim, quand même, il est beau le jeu. C'est juste les moments où il y avait un gros lens flare sa mère à l'écran. Oui. Que comme dans tous les jeux, bah ouais, quand il y a un coucher de soleil, on se dit, oh putain, c'est beau quand même. Parce que déjà, je pense qu'on est conditionné pour trouver les couchers de soleil jolis déjà de base. Même dans des jeux, c'est pas si joli que ça, le fait qu'il y ait un coucher de soleil, on dirait, c'est beau. Vous êtes plus coucher de soleil ou lever de soleil, le chat? Attention, débat important, on est sur Facebook, là. On va faire... Dites-le nous dans les coms. Dites-le nous dans les commentaires. Mettez coucher de soleil, emoji coucher de soleil, emoji lever de soleil. Ah, c'est la même. Mais du coup, quand je tape des décombres, j'ai que des décombres. J'ai que des décombres. Ah, des fois, en fait, il y a des trucs cachés dans ces trucs-là. Ok, continue. C'est pour ça que je te dis pète ces endroits. Bah après, c'est juste derrière en général, c'est pas... Coucher ou lever, tu préfères les coucher? Bah ouais. J'ai plus de souvenirs des couchers de soleil que de lever, je t'avoue, dans ma vie. Ouais, lever de soleil, c'est souvent synonyme de merde, je dors pas encore. Ouais. Non, en vrai, c'est... En plus, c'est vrai que...
les levées de soleil, je les vois aussi beaucoup, mais le truc c'est que je suis trop suivi, je sais pas. Oui, y a pas un contexte. Pas de regarder. T'es pas en off. En mode oh, c'est joli. T'es mal à la taille du rat. Oui. Oh là 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 là. Normalement, ici, je crois que c'est sous ce pilier là. Attends, je vais vérifier. Peut-être attendre là. Ouais, mais je vais revenir en plus parce que je sais déjà plus pourquoi j'étais parti, tu vois. Youhou! Oui! Oh, il y a un truc caché dans le pilier. Ah ouais, en montagne, oui, mais bon. Oui, en montagne au bord de la mer, évidemment, c'est des petits. Voilà. Très beau. C'est cheaté aussi, c'est de la triche. Tu fais gaffe à ta vie, toi. Bah, toi aussi. Ah mais t'es là. J'aurais gêné de la viande grillée. Moi j'ai des magas magiques. Ah tu me gênes. Voilà, j'ai plus d'enduit. La brassière. Va où? Ben. Attention hein, c'est au level un peu. Hein. Mais non c'est pas. C'est juste en dessous. C'est juste en dessous. On va mettre un coup de... Ah attention. J'ai glissé. T'as une aile pour voler. Oui. Ah mais oui c'est vrai. Mais en fait... Mais en fait... Que... Mais pourquoi t'as tenu, j'allais être ressuscité. Je sais pas, je suis dissipée. J'arrive. Je le trouvais nul alors je voulais vite, je voulais dire, vite partir et revenir. Chercher des brindilles. C'est vrai, chercher des brindilles. Merci Féline. Et reviens là où je suis parce que moi je t'attends dans la bunker. Est-ce que si mets un petit coup de... Un petit coup de voile. Oui. Moi, je sais plus ce que j'ai fou. Je sais plus ce que j'ai bouffé, mais ça m'a rajouté de la barre de vie. Moi, j'arrive. Et tu pouvais direct par au-dessus. Ouais, bah. Mais à 100 fracasser le crâne par terre. J'ai commencé à descendre un peu trop vite, et du coup, je fais oh, bon, je continue, hein. Je crois que c'est là, creuse là. Que dalle ? Non, c'est pas ce pilier. Alors, tu vois ? Peut-être l'autre d'après. C'est un bizutage ? Je vais le bizuter. Viens là. Essaye de creuser dans ce coin-là. Non, je pense qu'on peut pas creuser. Pas direct le pilier, en dessous. Le sol. Où il y a un coffre, mais il y a un coffre. Avec une arme un peu pétée. T'es dans un rêve. Non, t'étais pas là. Très bien. non, non, mais je sais plus quel pied je suis. Ah oh bah oui, je crois que c'est celui-là. Ah oui. Wouah. Oh le coffre il est classe. Et quoi déjà? Un tomahawk. Une main versatile hein. Ah, let's go. Hein. Donc c'est une arme versatile. Bon niveau hein, par rapport à là où on est. Me semble-t-il. Comment on remonte facilement? Bah là c'est bien, on va remonter du côté du... Par là, non. On va remonter à côté du pont. Mais il y a un chemin? Bah bien. C'est le chemin qu'on est censé prendre. On va aller par là. Avec Zul on l'avait fait direct. Ça devait être un peu galère. Non, ça va. Bloc non, de pierre aussi. C'est pas dangereux, c'est le début du jeu. Ah oui, j'ai prévu. Là, en plus, on a des tomahawks
peu sa mère les anciens. Il pas là. J'ai pas trouvé. Hein, ta gueule. Oh, il y a une faille. Une faille. Ah non. Je pensais que je pouvais avoir un... Ah, je crois que c'était un truc de texture. J'arrive. Mais tu pouvais remonter par là, je... Je pense pas. Ça me semblait un peu abrupt. Dépêche-toi, parce qu'on a que 2 minutes. Non, moi j'en ai 4. Comment ça se fait? C'est bon ici. Parce que t'as... Ah, en tombant, je suis remonté un peu. Ouais, c'est pas... Je me suis pas rendu compte en le disant. Et tu veux... Ouais. Oh. Et ouais. Donc, du coup le pont est presque fini. Hein. Quelle chance d'avoir une mine si proche, matériau minerai. J'en ai sûr, je nommerai ce pont Brylin du nom de ma... Quoique... Ça va pas te valider si tu le fais pas. Ah oui, d'accord. Ah, de la ficelle, c'est cool. Ils ont mis juste un caillou. C'est tout. Je t'ai pas fait un arbre en fait. Non, c'est pour ça qu'il me faut de la ficelle. Ouais, mais ça, tu vois les buissons là qui sont dans... Oui, oui, mais il n'y en avait plus trop près de chez nous. Il y a des gens là-bas. Il faut les taper dans leur bouche. Oh, il a une arbalète. Bah, franchement, il est où? Il est là-haut. Il était bien équipé. J'ai ramassé la grosse arbalète. J'ai pas le temps. Je peux pas. J'ai ramassé que de la ferraille. Ok. On va pas faire la même connerie que la dernière fois, parce que je crois qu'il y a des trucs à looter vite fait ici, de la ferraille, des conneries. La ferraille c'est bien pour le camp. Attention au piège à loup. Ah mince. Un lox. Oui, 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 je vois ça. Piège à loup. Les pièges à loup, ils sont là. Piège à loup. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les décrocher? Avec l'arc. Ah ouais, ok. C'est avec un coup d'épée, non? Oui, je sais vraiment. Voilà, après on peut pas passer si on n'a pas le crochet. Essaye pas. Ouais. Commence pas, parce que tu vas décéder. En volant avec, en faisant du planage. Non. Je te jure que tu peux pas. Ah. Tu peux complètement en fait. Attends. Si tu peux, mais après tu vas te rester bloqué et tu vas pas pouvoir revenir. Mais non. Avec les planeurs au pire, bah je suis coincé et je descends en bas et puis je remonte, oui, avec sauter le petit chemin. Nous on n'avait pas les planeurs. Ah oui, bah oui. Et c'est quoi ici? Je vais taper dedans. En vrai t'as raison, ça ressemble au truc. Pareil pour là. Mais souvent y'a pas grand chose. Ma hache a commencé à être fatiguée, je vais éviter de trop insister. Si, y'a rien. Au premier coup. Ça c'est quoi? Un cadavre. Ouais c'est ça. J'ai tué le cadavre. Ça c'est le forgeron. Oh, une grenade. On est pas loin de notre mission, me semble-t-il. Ouais. Attends, au début du coup. Ah. Je vais pas prendre l'échelle. C'est bon. Oui. Notre première mission c'était de trouver un PNJ et il est pas. Ok. C'est un PNJ qu'on met dans notre base après.
C'est ça l'aventureur du gaming. Genre établi de forgeron, des trucs comme ça, mais c'est pas toi qui le fais directement dessus, il faut un PNJ. Ah non, mais moi... C'est toi qui fais directement dessus, mais en vrai, il y a... Il y a un PNJ à ramasser. Mais moi, j'ai pas le tomahawk, les petits loups. J'en avais qu'un. Tu l'as pas pris ? J'en avais qu'un. Tu l'as pris, ça me l'a enlevé. Mais moi, c'est pas ça que je l'ai pris, parce que comme je te regardais et que je voyais que ça passait. Bah, je me suis dit, tu voulais voir ce que c'était. Il y en a deux. Ah, pardon. Oh non, mais t'inquiète. Bah, écoute, je me tu te bats plus, de toute façon. Non, tiens, tiens. Attention de pas taper quand il tape. Ah, parce que c'est là aussi que tu prends les coups. Il y a des insectes. Oh, yeah. Attends bien qu'il ait fini de taper pour taper. Voilà, tu te prends les coups en fait quand tu fais ça. Voilà, maintenant tu passes. Je sais plus comment on fait. Ah. C'est bon. Ok, c'est contrôle. Ah, les insectes attaquent. Ouais. Ah ouais, merde. Ils te suivent. C'est bon. J'avoue. Ils te suivent. Non, non, ça va. Ça a l'air d'aller. Les salopes. Attends, bon, est-ce qu'on peut les cramer? Ah, c'est pas du feu. Ah, tu veux dire avec bâton? Ouais, je pense. Voilà. Tuer les mouches. Tuer les mouches. Attends, qu'est-ce qu'on a ramassé là? La fourrure. Merci. Et du coup, t'as une épée quand même. Oui. J'ai l'épée. Ouh, j'ai une épée, ça va. Je vais faire un arc, moi. J'ai une épée. Hein. Une épée, moi. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'à on te dit ici que tu peux être fufu. Ça marche, Infernalou. C'est ça, demain, si le PC veut bien, ça marche. Bonne nuit, petit Infernalou. Ah oui. Je vais attaquer de manière furieuse. Ah, c'est vexé. Ah, quel enfer. Ouais, c'est assez bizarre parce que tu as la possibilité de te baisser avec le contrôle, mais là c'est aussi. Il y a les deux. Tiens, ici. Ah bon ? Ah non, moi contrôle, c'est ça ? Si tu veux tout réparer. Ok. Quand tu laisses appuyer contrôle après, normalement il te. Non. Attends, moi je l'ai déjà fait. Alors, 100%, t'es morte sur le même tonneau que Zul. Bah oui, je peux tonneau pas savoir rouge. Si... Mais non, pourquoi des tonneaux explosifs? On est dans un univers médiéval, là, y a pas de la poudre à canon. Fantastique. Non mais y a pas de poudre à canon, pour moi c'était un tonneau à vin. Tonneau rouge. Bah oui, rouge comme du vin. Bah, en plus c'est la nuit, on boit à peine le rouge. Dans un univers médiéval, je sais pas, dans... Je sais pas... N'importe quoi. Capsule descendre est tombée en panne pendant des essais. Le rat que j'ai utilisé à l'intérieur a été carbonisé par la flamme coalescente. Un flash lumineux qui puit plus rien. Ah bah comme pour moi. Un nouveau sujet, un autre rat, Inni. Inni c'est Inifuge. Tout à fait, c'est le feu. Avec un peu de chance, notre chemin vers le salut. Blablabliblablablu. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on le sait. Il est dans la balle. Merci. Salut Seb. Mais quoi, vous l'aviez vu chat peut-être? Je crois pas hein. Fight. Moi je tue les morts. Il tape, quatre fois. Volontaire d'entrer dans la capsule. Ah bah le forgeron il est quand mal fini quoi. Va le libérer. Réveillez le survivant. Oswald Enders. Oswald Enders. Il est où? Bah il est au camp. Ah d'accord. Oh plastron fourrure hein. Exceptionnel. Salut. Parce que... Une chance. Attends, je peux me faire un crochet, je crois. Crochet, je peux en faire un. Je fabrique de ce pas. Ouais. Ouais. J'ai eu... Oh, j'ai eu deux armes. Alors, une hache et une masse.
Radé. Voilà, tu fais du boudin. Ouais, j'ai eu des vraies armes, je vais rater l'autre. On peut se TP directement à la map. Ah ouais, si t'as besoin. Ouais, ouais. On est dans un endroit sûr. Il y a un point d'interrogation ici. Oui, c'est ce qu'il dit. J'ai besoin de te reposer. Après, j'ai oublié de lire. Sélectionne maison. Tu vas sur ta maison et tu peux faire un voyage rapide. Let's go, regarde. Oh. Moi je rapide. Exceptionnel. Et oui, la hache, elle est verte. Elle est uncommon. Ce survivant sera un atout pour notre cause. Placez-le dans votre base avec une baguette d'invocation. Ah, vous pouvez fabriquer à partir de simples brindilles, c'est ça. Tu construis la baguette et en fait avec la baguette tu peux invoquer le PNJ où tu veux. Oh putain, faut qu'on fasse un éclairage. Ça marche, Félix. Je vais monter un peu. On peut faire de dos ? On m'entend peu, il paraît, sur ton stream. Hein. C'est, je trouve ça dégueulasse. J'ai mal à l'entendre. Je viens de t'augmenter, ça va. Arrête de chouignac. Ouais. Horrible. Jamais je me serais permis avec elle. J'ai une mère plus forte que moi. Locke, c'est plus fort que toi. Regarde, il est là. Salut, Oswald. On va vous aider à préparer. Fabriquer. À la forge, hein, écoute, déjà. Il manque de la ferraille et du charbon. Pour moi, en tout cas. On peut faire un foie, charbon, hey, des combos. Ah, ça, faut récupérer ça. Ça quoi? Apparemment, les cadavres sur la map, faut les récupérer. Ouais, les pierres tombales, là. Oui. Ouais, ouais. Donc, de la ferraille et du charbon. Le charbon, on peut en faire dans le foie à charbon. Donc, on va installer un foie à charbon, déjà. Pour faire du charbon. On va mettre ça dans ce coin-là. Ça fera un petit peu de lumière aussi. Ah, de la lage et puis les boutons, c'est bon. Voilà. Ah, renforcer la flamme. J'ai pas du tout ce qu'il faut, hein. Comme ça, brume liquide, j'en ai plus. J'en avais plein. Pas des bandits, des bûches. Ah mais c'est ça, mais c'est qu'en fait... C'est des objets de mon inventaire, mais c'est pas tout mon inventaire. Ok, je vais chercher mes cadavres. Il y en a un là-bas. De pipe, et oui. Oh ouais, faut que je chie. Je vais peut-être pas tout mettre. Mais... Comment on divise déjà, je crois. Bouton droit, bouton... Diviser la pierre. Sélectionner, non. Et maintenant ça s'est zoomé. Il faut des bûches et de la terre. La terre, je sais pas si ça me sert à beaucoup de choses. Salut, messieurs. Alors, je sais plus si t'es passé tout à l'heure. On peut améliorer notre camp, je crois. Il faut plein de matériaux. Mais comment ça se fait? Ah, mais non, il faut un cœur de brume. On peut renforcer la flamme, tout à fait, avec quelques matériaux. Naze, avant, la roule... Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, mon clic molette, eh ben, il me permettait de sélectionner mes armes, là, enfin ma molette, tout court. Maintenant, ça fait juste zoomer, dézoomer en permanence. Du coup, ah bah... Bon ouais. T'as pas une touche contrôle qui est... enfoncée, ou quelque chose qui est resté enfoncé sans faire exprès? Non. J'ai appuyé sur contrôle au cas où. Non, trop bizarre. Ah ouais. Bah je sais pas. Du coup c'est chiant. Mais je peux plus sélectionner. Au secours. Mais arrête de manger t'as de... un buge. T'as un buge. Arrête pas de manger du miel. Est-ce qu'il y avait des anciens? Ça on avait déjà vu.
Ah ouais! Objet spécial rune. Les runes en... Il y a mon autre... Ah, il y avait un autre cadavre là. Ouais, surtout que sur les cadavres, il y a souvent du métal aussi. Ça dégoûte. De la ferraille, ça sert. Bon, le charbon est en train d'être fait. Il nous faut surtout de la ferraille et du charbon pour l'instant. C'est trop chiant. Ah oui, je me rappelle qu'il y a les coffres magiques, ça c'est trop bien dans le jeu. Merci Olivier. Bonne nuit. 5 mois, merci, merci. Bonne nuit petit, tendez des gros bisous. Mais oui, ça contient plein de trucs. Mais c'est trop chiant. Qu'il contient plein de trucs. Bah nos pierres tombales. C'est un endroit judicieux, pas trop hein, ouais. Voilà. Bon, ça éclaire un peu. Ouais, c'est bizarre. Je vais taper des queues trues. Parce que moi j'ai pas tant de pierres tombales que ça sur la map, j'en ai une là-haut. Ah si, voilà, au nord de toi là. Sur le pont, je sais pas où. Bizarre. Celui-là on est descendu ou pas? Je sais plus. Ouais. Ah, c'est si chiant, ça zoome et ça dézoome tout le temps, c'est trop chiant. Mais redémarre, hein, ça se trouve, t'as juste un peu plus de jeu. Ouais. Parce qu'il pointe comme ça. J'ai récupéré mon cadavre, faut que je m'en aille. Ah mais je me souviens bien qu'il y a du coup qu'il y a les pierres tombales, il y avait un intérêt de les récupérer. Ouais, en fait t'as une partie de tes objets qui sont laissés quand même. C'est pour ça ouais, que ouais. Des fois j'ai dû chercher des trucs et je comprenais pas pourquoi j'en avais plus. Bon. Ah moi il y a un endroit j'ai la flemme parce que c'est vraiment un endroit qui se... Oui, je pense que j'ai récupéré aussi le tien, Gail. Ah ouais? Ouais. Et bah j'en ai un autre en face de toi là, si tu continues tout droit. Faut que je remonte. Un peu à gauche, en face de toi là. Quelque part par là, il y en a encore à droite. Ouais, par là où tu vas là. Descends, redescends un peu vers le sud. Non, tu avais passé. Ah bah là je le vois. C'est au-dessus de toi en fait, c'est au-dessus de toi. Ah oui, oui c'est au-dessus, ouais. Vers le bord là. Ah ouais, ah oui. C'est vrai qu'on le voit bien en fait. Voilà. Tac, c'est bon, ouais. Clair. Nice. Bon, faut qu'on puisse faire des coffres. Et là où on est mort avec les mecs trop... Je vais faire un coffre déjà. Ah trop bien. Il n'y en a plus qu'une, ça va, ça va. Mais ok, d'accord, mais j'ai récupéré des objets, c'est cool. Il y a des coffres magiques géniaux dans le jeu qui sont interconnectés tous. Ah ok. Ça c'est voit. Trop bien. J'avais déjà fait, moi avec la partie de Zul, j'ai fait une salle de coffres direct. Ah
Mais ouais, mais tu les as quand les coffres? Parce que moi je les ai pas vus. Si si si, on les a depuis le début, c'est les petits rangements en bois là. Faut aller dans... L'antiguille, stockage, survie, stockage. Et t'as petit coffre magique, ah, petit d'accord. Coffre, ou coffre minuscule. Oh, ils sont jolis. Surtout le coffre magique parce qu'il y a des Il faut des clous. Bah il faut que le... Ouais. Alors, soit des ficelles avec le coffre minuscule. Soit il nous faut des clous et ça c'est le mec derrière nous qui les fait. Moi je vais faire avec de la ficelle. Au moins pour faire le... Premier truc. Stockage. Ah. Tac. Voilà, au moins on en aura un tout petit. Ils sont petits, hein, je crois les premiers. Je mets où? Je mets à côté de l'établi. Ouais. On est fine. Ouais, c'est oh, pour du minuscule entre guillemets. Ça va. Là, tu peux des... Je vais voir ce que je peux déjà utiliser. Alors, du coup, ce qu'il y a, s'il y a dans quand un corps... Tu fais shift-click, ça balance l'autre côté direct. Hein. Si t'as besoin, dans les d'accord. coffres. D'accord. Et ça prend direct dans les coffres quand tu veux fabriquer un truc. Là aussi, non? Non. C'est vrai? Non, non. Mais ça me semble pas. Ah si, peut-être. Peut-être que si. Je sais plus. Ce serait terrible. Ah, je sais plus. J'ai joué à trop de jeux de ouais. craft. Je sais plus qui fait quoi. Je suis plus sûr. Tu plus sûr, d'accord. Je plus sûr. Tu plus sûr? Bah, je vais voir tout de suite, tiens, si je veux augmenter, par exemple. Le truc de la flamme. Ouais, mes bûches, j'en ai mis là. Eh ben non, du coup, je te dis que non. Mes bûches, ça, je les ai mis là. Ça, c'est fort dommage, ça. Y a peu de jeux où ça marche vraiment. Ah, je me demande si les coffres magiques, c'est pas ça le truc. Non, je sais plus. Bon, je vais relancer parce que... Cette c'est question. Chiant. Oui, je comprends. On va je comprends bien. Coucou. Coucou Vendels. Et j'en profite pour arrêter la VOD, tiens, c'était la découverte. Et nous, on vous continue un petit ouais. peu. Et des bisous. Des bisous.